Salut, salut, salut les parents. C'est encore moi, Rossi Béjo, je suis de retour. À travers mes vidéos, je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes aussi. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, laisser les commentaires aussi. Si tu es nouveau sur ma vidéo et si c'est ta première fois de regarder ma vidéo, abonne-toi et likez et laissez les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer au moins un peu la réalité de l'Europe et je vais vous parler aussi ce qui se passe surtout en France là-bas. Regardons un peu la petite vidéo qui va circuler un peu sur l'écran. Parce que ce n'est pas normal d'accuser toujours le gouvernement pour dire que le gouvernement de nos pays ne travaille pas, eux font comme ça, eux font comme ça. Vous-même constatez, regardez bien, vous allez voir. Voilà, on est là dans Paris, c'est Grévis d'Alfortville, Cornopos, 103 qui les passe. Voilà, on est là depuis que d'Alfortville, c'est France. Voilà, Malamoro africain, Sénégal, Côte d'Ivoire, la Guinée, Abébiano, voilà. Abébiano, voilà. Les Mayas. C'est pas facile de... Voilà, c'est la France. Abé Paris quoi, voilà, Dengéo. En fait, 6 mois de l'attente, en fait, qu'il est malade, il est en train de voir. Abé Papier, il est là. Il est là, il est là. On va aussi dans là. Voyez, vous avez déjà regardé la vidéo. Je pense qu'il y a d'autres qui ont déjà vu et il y a d'autres qui n'ont pas encore vu la vidéo. Et je vous ai présenté la vidéo. Voici la réalité de la vie qui se passe surtout en France, surtout en Europe, parce que je ne peux pas trop accuser la France. Le problème est que surtout les immigrants, je ne peux pas. Je vais généraliser tout le monde, surtout nous, les immigrants, qui cherchent à aller en Europe et qui veulent vraiment gagner leur vie en Europe. J'ai quelque chose à vous dire. Un, avant de quitter dans ton pays, faut réfléchir. Tu faisais quoi au juste avant de quitter dans ton pays? Parce que tu ne peux pas me dire que où tu es là, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Et tu vas le couper ton âge encore pour dire non, que tu as 20 et quelques ou tu as 25. Oh, tu as 30 ans ou 35 ans, tu vas couper ton. Tu vas diminuer, réduire ton âge. Et dire non, que oui, tu as 25 ans ou tu as 22 ans. Il y a d'autres, mais ils ont 25 ans ou truc. Parce que visage même de l'homme, moi-même, là, ça ne vieillit pas. Tu regardes, tu dis, mais lui, là, André, tu peux lui donner au moins 15 ans. Oh, en réalité, il a déjà dépassé 15 ans, il est dans les 25 ou il est dans les trentaines, là. Mais tu peux lui donner 25 ans. Nous, les Noirs, là, on ne vieillit pas vite. Donc, la vidéo, je vais parler, je vais m'adresser à nos parents et frères et sœurs. L'Europe n'est pas paradis sur la terre. Soit si tu veux aller en Europe, au minimum, il faut avoir quelque chose dans la tête. Soit j'aimerais faire ça là, faire ça, faire ça. Soit j'ai un boulot ici. Bon, le boulot là, je pense qu'en Europe, ça peut vraiment m'avantager. Je peux avoir quelque chose aussi. Bon, ok, j'ai tel projet, mais ici dans mon pays, en Afrique, avec le projet là, je ne peux pas mieux avancer. Mais en Europe, avec le projet, je peux mieux avancer. Là, quand c'est comme cela, ton aventure n'est pas trop dure. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont vu leurs frères aller en Europe, leurs frères s'habillent, ils sont propres, ils sont bling-bling, ils ont les téléphones dans les mains, ils ont les trucs. Par-ci, par-là, les gars se filment, les gars, eux, s'envoient les choses, comment dirais-je, les images, les photos, etc., les vidéos. Mais il y a d'autres, quand ils voient ça, ils sont bornés dans la tête. Ah, moi, je vais prendre aussi, je vais prendre la route de l'Europe. Moi aussi, je vais faire. Mon frère, tu fais ça là. Tu te mets en danger. Vous aussi, vous êtes en Europe là. Ta situation de vie là, si c'est compliqué, tu sais que c'est compliqué ou c'est un peu bizarre. Faut pas faire rêver tes frères que tu as laissés au pays. Ou tes amis que tu as laissés au pays là. Faut pas les faire rêver que non. L'Europe, c'est paradis sur la terre.
Tu peux mieux les expliquer. Ah, mon frère, moi, mais je suis ici, là. Franchement, voici la vie que je mène. Voici la vie que je mène. Vous comprenez? Mais vous êtes là, vous leur faites rêver la vie. Maintenant, quand les gars quittent, eux viennent maintenant, ils mettent les pieds en Europe. C'est maintenant votre numéro passe-part. Même quand il dit à quelqu'un, même pour dire que oui, ah, mon frère, je vais prendre la route de venir en Europe là. Lui qui est en Europe avec toi là, votre amitié là, ça balance maintenant. Parce qu'il sait, si tu rentres là, tu vas voir son cuit. Si il dit tu vas voir son cuit, tu vas voir vraiment comment il se comporte, comment il vit. Donc c'est pour cela que quand tu veux prendre la route de l'aventure, ne dis jamais à quelqu'un. Surtout la personne même qui est en Europe là, ne lui dis rien. Voilà. Et de arrêter de vendre le rêve. Nos frères africains, ce n'est pas les blancs mais qui nous vendent le rêve. Hein. C'est nos frères même qui sont en Europe là. C'est eux qui nous vendent le rêve de dire donc, que paradis sur la terre, c'est l'Europe. Mais tu es en Europe là, il faut faire quelque chose. Tu ne veux pas rester là pour dire donc, que oui, je ne veux pas rester au camp, mais si tu es vieux, mais, dès que tu traverses la mer, si c'est la mer Méditerranée, tu as traversé, tu arrives en Espagne. Mais mon frère, tu sais que même la langue est dure. La langue est dure. Mais concentre-toi au moins si tu es au Campo. Si tu es au Campo, là-bas, là, tu peux rester, tu vas apprendre la langue. Et puis un peu, tu peux chercher un petit métier. Mais ne dis pas que oui, mon frère ou mon ami en France, ou il est en Angleterre, ou il est en Allemagne, ou il est dans autre pays, là, moi je vais aller là-bas. Mon frère, tu t'en là-bas, là. Tant mais tu as été tué même. Parce que ton frère, tu es là-bas, là. Il y a des gens, ils n'ont pas de papiers, mais ils vont te faire croire que non, lui, il a tout. Mais quand tu rentres là, c'est là que tu vois qu'il n'a plus de. Lui-même, il n'a même pas de papiers. Sa situation de vie même est bizarre. C'est bizarre. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Tellement que c'est bizarre même là. Tu es là, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lui là, si les photos, les vidéos qu'il m'a envoyées là, c'est bling bling, mais il était comme ça. C'est là la personne va te dire, ah mon frère, tant que tu sais qu'il est Europe là, on ne peut pas se négliger. On doit s'habiller pour faire croire aux gens que oui, on est bien placé, mais en réalité, ça ne va pas. Mais toi aussi, tu es déjà en Europe. Tu ne peux pas dire à tes frères qui sont au pays là-bas que ah, ici est dur. Ils vont te dire, mais toi, regarde lui qui est parti là-même, il est bien habillé. Toi, tu fais quoi? Tu es obligé aussi de vendre le rêve. Mais ce n'est pas du tout bon. Quand il y a la vérité là, il est mieux de dire. N'accuse pas le gouvernement. N'accuse pas. Le gouvernement africain, on sait que le gouvernement africain, il y a d'autres qui déconnent. Il y a d'autres qui déconnent, mais il y a d'autres qui ne déconnent pas. Ils ne sont pas là pour dire que oui, le gouvernement va mal, oui, le pays va mal. Donc c'est pour cela que moi j'ai pris la route de l'aventure. Oui, j'ai pris la route de l'aventure. C'est pour cela que je suis venu ici. Mais tu es venu là, tu étais là-bas là. Tant que tu étais au pays là, tu faisais quoi? Comme boulot, comme métier. Tu n'as pas de sous-métier. Tu prends tes clics et claques et puis tu quittes ton pays. Et tu veux que non, en Europe, dès que tu arrives là-bas, c'est l'argent inversé par terre. Non. Un, si tu es intelligent, de créer tes trucs. Deux, même si tu n'es pas intelligent, au moins il faut avoir la force, au moins on peut te placer comme vigile. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas la force. Tu sais même pas pourquoi tu es en Europe. Quand ils vont te poser la question, pourquoi tu es venu en Europe, il y a d'autres. Eux, ils sont en Europe parce que leurs amis leur font croire que non, le paradis se trouve en Europe. Il y a d'autres pour dire non, que oui, mon frère, si tu veux gagner une bonne femme, viens en Europe. Il y a, ouais, troisième, mon frère, si tu veux gagner la belle vie, avoir le bon boulot, viens parce qu'on te paye bien ici, viens. Mais tu t'en vas là. Est-ce que toi, ton boulot même, ton boulot exact, tu faisais quoi au pays? Bien avant que tu te lèves pour dire non, que je veux prendre la route de l'aventure. Mais arrêtons ça. Ce n'est pas du tout bien. Quand quelque chose ne va pas, si ça ne va pas dans ton pays, toi, mais si c'est que ici, dans ton pays, ça ne va pas là. Mon frère, reste là-bas et puis économise l'argent que tu vas prendre pour traverser la mer Méditerranée, pour prendre la route ou encore pour prendre le vol là. Mon frère, concentre-toi, tu vas faire ton petit métier. Tu peux investir dans un petit truc. Ça peut te. Même il y a d'autres, même, moi je vous le dis, il y a d'autres qui sont à l'aventure, qui sont surtout en Europe même là. Ceux qui sont au pays, ils sont bien mieux que ceux qui sont en Europe. C'est moi, je vous le dis. Il y a d'autres qui sont bien mieux même placés même que ceux qui sont en Europe. Moi, où je suis? Je ne suis pas en Europe, hein, mais moi, j'ai beaucoup. Moi, j'ai été. Il y a envoyé de l'argent à ceux qui sont en Europe même.
D'autres me parlent de leur situation. Moi, ma crise, je ne suis pas encore en Europe, mais moi, je les envoyais l'argent, les 1000 euros, les tant, moi, je les envoyais. Je ne me lance pas les fleurs, mais quand ça ne va pas, mon frère, soyons sérieux. Quand tu sais qu'en Europe, ils t'ont vendu l'illusion, là, tu sais que c'est bizarre. Là. Mon frère, tu peux demander déportation. Tu dis, ah, franchement, je vais me retourner. Retour volontaire, je vais me retourner dans mon pays. Ils vont te donner 2000 euros ou ils vont te donner l'argent que le gars peut te donner. Et puis tu te retournes paisiblement chez toi. Mais si tu te retournes là, c'est que tu as vu là, tu sais déjà que au moins c'est en Europe, il n'y a rien. Mais toi, ta vie n'est plus là-bas. Mais au pays là, tu peux faire, tu peux créer un petit truc. Tu peux créer ton activité. Et ça peut te remporter encore. Ça peut te remporter. C'est pas pour dire non que oui, aller en Europe. Porter les habits, faire le malin, c'est pas ça on dit Europe. C'est pas ça on dit Europe. Donc moi, le conseil que moi je vous donne, voici la vidéo mais tu circules. Il dort où? Dans la vidéo, le gars dit il dort où à côté des cimetières, Chronopost, à plein Paris. Mais c'est quoi ça là? Mais si c'est moi, il préfère aller dans les campagnes. Je ne peux pas rester toujours à Paris. À Paris, c'est quoi? Paris, c'est pour. Moi, si, moi, je rentre, je suis en France. Si moi, je suis en France, là, moi, je peux pas aller vivre en France et à Paris, là-bas, jamais. À Paris, soit si je m'en vais, c'est pour aller rendre visite à mes frères ou à mes amis qui aiment Paris. Je peux aller les rendre visite. Ou aller faire mes petites activités et je me retourne où je veux. Moi, je préfère campagne. Je préfère campagne. Campagne, tu es là-bas, tu es tranquille. Paris aussi, tu es tranquille. Mais Paris, vie de Paris, hein, vie de campagne, c'est deux mondes différents. Pourquoi, surtout les Africains, eux qui, dans les pays là, eux veulent aller vivre à Paris. Là, ils vont dire non, que oui, ici, dans le 15e arrondissement, ici, dans le 10e arrondissement, ici, dans la 13e rue, ici, dans le 7e. Mais c'est quoi? Quand on dit à telle chose, il va s'habiller, tu le vois. Oui, mais tu dis, lui là, c'est l'homme de ma vie, ou ça, c'est la femme de ma vie. Après ça, c'est pour aller boire. C'est fini. Tu cherches l'un des week-ends, au moins vendredi, samedi, tu vas aller te saouler, tu vas aller danser, vous faire la belle vie. Et c'est fini. Tu reprends ta vie à zéro encore. C'est quoi ça là? Ah, ça là, après, c'est pour aller accuser les sorciers pour dire non que oui, c'est la sorcellerie qui ont fait ça, non. C'est les sorciers qui ont fait que oui, oh Dieu, ma vie n'a pas réussi. Mais toi-même là, tu faisais quoi au juste au pays avant de quitter ton pays? Avant de quitter ton petit, faisais quoi, mon frère? Arrêtons. Quand ça ne va pas dans vos corps, quand ça ne va pas dans votre famille, n'accusez pas le gouvernement qui est en place. Quel que soit, même si tu es Ivoirien, tu es Guinéen, tu es Sénégalais, surtout la peau noire, moi, je parle des Africains. Les Africains qui prennent la route de l'Europe, là. N'accusez pas le gouvernement. N'accusez pas vos gouvernements. Il y a d'autres qui se disent que oui, oui, néanmoins, il y a d'autres. À 100%, il y a 10%. Tu peux dire que oui, j'ai eu un malheur où j'ai eu mon casier judiciaire gâté là-bas, ou soit j'étais en prison, ils m'ont enlevé un truc, ou soit j'ai commis un meurtre, ou j'ai fait un truc. C'est pour cela que pour échapper prison ou pour échapper à la mort, c'est là que j'ai décidé de quitter mon pays. Là, je peux te comprendre. Mais toi-même, tu n'as pas eu problème dans ton pays. Tu n'as pas d'activité. Et tu quittes ton pays et tu vas accuser le gouvernement. Ça sert à faire quoi? Toi, tu fais quoi? Tu gagnes quoi dedans? C'est pour cela, surtout nos présidents, Papa Ado, a dit asile politique. Les gens te disent non, ça ne va pas dans mon pays. Oui, on me poursuit ici, l'asile politique n'existe plus maintenant. Asile politique n'existe plus. Vous comprenez? Il y a des choses que on doit arrêter. On doit arrêter. N'accusons pas les Blancs pour dire oui, les Blancs nous ont volés. Les Blancs ne nous ont pas volés. C'est parce que nous-mêmes, on ne réfléchit pas. Nous-mêmes, on est tarés dans nos têtes. Nous-mêmes, on ne cherche pas à évoluer notre pays. On préfère aller travailler chez les Blancs. On préfère aller travailler chez les Blancs. On préfère aller chercher chez les Blancs. Et maintenant, aller faire la Java dans ton pays. Il y a d'autres, mais ils ont fait 25 ans, 30 ans et quelques, mais ils n'ont jamais réalisé dans leur pays.
Parce qu'ils ont peur. Moi, si je rentre, non, mon frère. Moi, je vous le dis, quand vous partez en Europe, tu sais pourquoi tu es en Europe. Tu sais très bien pourquoi tu es en Europe. Si tu es nouveau, tu viens d'arriver en Europe, voyez un conseil que je vais vous donner. Voici un vrai conseil que je vais vous donner. Mettez ça dans vos têtes. Ou vous pouvez couper la partie là et vous pouvez relayer ça partout. Si, quelquefois, si tu es la femme, tu es un homme, tu arrives en Europe, tes amis là, il faut les classer. Les gens que tu vas marcher à eux là, il faut les classer. Tu vois quelqu'un, il a les papiers, tu lui demandes s'il a les papiers, il te montre tous ses papiers. Tu lui demandes, mais tu as fait combien d'années ici et puis tu as eu tes papiers. Quand il va te dire, tu dis ok. Tu demandes à telle personne. Maintenant, c'est à travers ceux que tu vas demander, ceux qui ont les papiers là, tu vas leur demander maintenant comment vous avez fait et vous avez eu votre papier. Ils vont te montrer plusieurs étapes. D'autres vont te montrer pour lui, d'autres vont te dire pour lui. Mais ne marche jamais avec quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans. Même quelqu'un qui a fait 5 ans, 10 ans, ou souvent 15 ans, il n'a pas de papier là, mon frère. C'est un péché. Il ne faut jamais marcher avec cette personne. Quelqu'un qui a fait 3, 5 ans, minimum 5 ans, 10 ans, ou il n'a pas de papier là. Mais c'est un danger. Il ne faut jamais faire amitié avec lui. Seulement si tu le vois, tu dis, ah mon frère, ça va. T'es loin, tu le dis, ah ma soeur, ça va. Et puis tu le dépasses. Parce que où il a fait 5 ans, il a échoué là. Si toi tu tombes dans sa main, tu es son ami là, il va te mettre à l'abattoir. Il va faire tout son possible. Toi aussi tu ne vas pas avoir des papiers. Parce qu'il va pas, il va se dire quoi? Non, mais toi tu viens d'arriver en même temps, toi tu vas avoir les papiers. Moi, mais j'ai fait des 5 ans, j'ai fait 10 ans, si je n'ai pas papier, il va t'amener à l'abattoir. C'est un conseil qu'il vous donne. Quand vous arrivez à l'aventure là, ceux qui ont fait 5 ans, 10 ans, et puis tu vois que les manières de vivre même ne changent pas là, les conditions de vivre ne changent pas là. Et puis ils n'ont pas de papiers, et puis ils n'ont pas de au moins un statut qui est stable là même là. Arrêtez même d'éviter même de marcher à ceux-là. Quel que soit si c'est une femme, si c'est un homme, arrêtez de marcher à ceux-là parce que c'est un danger pour toi. Tu peux les saluer si c'est au téléphone, vous pouvez vous saluer, oui. Mais il y a le contact, mais il ne faut pas faire ça. Parce que s'il y a le contact là, il va t'amener à l'abattoir. Il va t'amener à l'abattoir. Avec ça encore, tu vas t'asseoir, tu vas dire non que oui, si je savais, oui, je suis quitté au pays, c'était comme ça. Mais tu es quitté au pays là. Il y a des amis, ceux que tu leur fais confiance, ceux qui vont te détruire. Parce que lui sait que lui n'a pas eu papier, il a fait 5 ans, il a, sa vie a échoué. Lui aussi, il va échouer ta vie. C'est des trucs qui ne sont pas bons. Les parents, c'est un message, je vous lance. Je vous demande pardon. Quand vous prenez la route de l'aventure, là, néanmoins, il faut faire quelque chose. Ou tu as déjà fait, tu as un boulot, ou tu as un projet dans la tête. Que quand tu arrives en Europe, je peux faire ça là. Ça peut me remporter là. Tu peux prendre la route de l'aventure. Ne dis pas que oui, mon ami est là-bas, ma soeur est là-bas, moi aussi je vais aller. Tu t'en là-bas, là, tu t'en fais quoi? Quand ils vont te dire, viens, tu as surveillé l'enfant là, tu as dit, ah, moi-même, je suis venu en Europe là, c'est pour venir surveiller son enfant. Ah, c'est pour venir faire ça, c'est pour venir préparer, c'est pour faire ça ici. C'est parce que toi-même, la personne, même t'as vu, même ton A et zéro même là. Tu peux rien faire. Tu n'as pas d'activité, tu n'as pas de projet. Dans ta tête, c'est pour cela ils vont te prendre comme manger d'homme, ou ils vont te prendre comme la nounou bonne, ou ils vont te prendre aussi pour aller faire des trucs, ou c'est toi, ils vont prendre pour aller envoyer seulement. Et puis tu es content, ou ah, on va aller faire shopping, hein, bon, on va aller faire les courses, là, monte dans ma voiture, je vais on va aller faire. Et puis tu écoutes, tu es content. Tu es né homme, tu es né femme. Tu es né homme, tu es né à femme. Tu es né pour réussir, tu n'es pas né pour suivre les gens. Donc vous êtes en Europe là, faites pardonner, faites quelque chose, vous allez faire votre tri pour devenir quelqu'un, pour travailler. Ne dormez pas à côté des cimetières pour dire non que oui, c'est comme ça, ou soit le gouvernement veut. Mais c'est pour cela, lui-même, lui qui a cité, il a dit quoi, il y a les Guinéens, il y a les Maliens, il y a les Ivoiriens, il y a tant, tant, tant dedans, etc., etc. C'est pour cela, Alassane a dit, c'est mieux. Il dit, ceux qui demandent l'asile politique là, il n'y a rien au pays, venez, rentrez. Rentrer. Il y a d'autres maisons ont été rentrées parce que quoi? Il a fait plus de 10 ans là-bas. Rien. Je vais m'arrêter là. Parce que quand il fait les trucs, quand je fais une vidéo, mon cœur est chaud. Mon cœur est chaud quand je vois les trucs. Au fur et à mesure, je vais commencer à parler.
Vous allez mieux comprendre ce qui se passe à l'aventure. Merci beaucoup. Abonnez-vous si tu es nouveau sur la chaîne. Et si tu es nouveau sur ma page Facebook aussi. Abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. J'ai Instagram aussi. Abonnez-vous là-bas. Et j'ai TikTok. Abonnez-vous. C'est aussi BGO. C'est la même photo. Et c'est le même nom. Tapez. Vous allez voir. Vous pouvez me suivre là-bas. Ciao, ciao. Je vous remercie. Si j'ai offensé quelqu'un, excusez-moi, mais c'est la vérité. Quand tu as l'aventure, il faut savoir marcher avec des personnes. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Si tu marches avec, si toi, tu marches avec n'importe qui, là, c'est n'importe qui aussi qui va te trouver comme ça. Et tu vas être comme ça, basant. Rien. Tu vas voir, bon, tu n'as même pas de projet, tu n'as pas de niveau de statut, tu n'as rien dans ta vie. Tu es là après, c'est pour accuser les sorciers. Les pauvres sorciers, eux aussi, tellement qu'ils ont fait du mal. Jusqu'à, toujours quand il y a quelque chose, c'est eux qu'on va accuser. Donc, j'arrête la vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous. Bisous.